Bonjour à tous, booktubeurs, booktubeuses. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Effectivement, le tableau est revenu, il a passé de super vacances, il est en pleine forme. En pleine forme pour vous parler du roman de Virginie Grimaldi, tu comprendras quand tu seras plus grande. J'espère que j'ai bien tout compris à ce roman, vu ma taille, je suis pas sûre, mais bon, je vais essayer de vous en parler quand même. Donc, ce roman, c'est l'histoire de Julia. Julia qui va prendre un nouveau départ. Effectivement, elle vient de perdre son papa et par la même occasion son copain. Le lâche, il a fui devant tout ce deuil. Et donc, elle se retrouve à squatter sur le canapé de sa meilleure amie. Sa vie, c'est pas Disneyland, c'est moi qui vous le dis. Donc, elle décide de prendre un nouveau départ et part en direction de Biarritz où elle va travailler dans une maison de retraite. Forcément, au départ, les vieux, c'est pas son truc. Sa mère habite à côté de Biarritz, mais elle n'est pas du tout prête à lui dire qu'elle habite là parce qu'elle a envie d'être seule, de se reconstruire petit à petit. Et bien évidemment, comme vous en doutez, ben Julia, elle va prendre goût finalement à cette maison de retraite, elle va s'attacher à ces personnes âgées, etc., etc. Effectivement, ce n'est pas un roman à suspense du tout. On peut plus ou moins prédire ce qui va se passer. Mais la beauté du roman n'est pas là, c'est son côté léger. Effectivement, c'est un roman léger. Et ça, ça fait du bien. En ces temps gris, moches, où il fait froid, on a besoin d'histoires sympas qui nous vident un peu la tête, qui nous fait voir la vie positivement. Parce qu'en plus, ce roman est truffé de citations que l'auteur pioche à droite à gauche, qui sont magnifiques. Donc d'ailleurs, je vous conseille de prendre un petit carnet pour les noter, parce qu'il y en a quelques-unes très belles. Mais il y a aussi des citations de l'auteur, parce qu'elle écrit avec beaucoup de poésie, en fait. Et il y a des petits passages de son livre qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et c'est juste magnifique ce qu'elle écrit. C'est un roman, donc sans prise de tête, poétique, il est superbe. Essayez-le vous aussi. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram et ma page Facebook. À très vite, bisous.